Bonsoir tout le monde. Allô Francis, c'est pour toi la vidéo Francis. Ouais, t'as bientôt fini les lapins crétins avec Mario. Et puis là, tu fais pitié parce qu'après ça, tu pourras plus rien faire, t'auras plus rien à jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un jeu que le son est beaucoup trop fort. Children of Zodiac, un jeu fait par des Québécois à Montréal. C'est un jeu tour par tour comme notre petit Mario conventionnel. Allez, on passe. On passe la cinématique. Nous, je veux juste montrer du vrai gameplay, là, du vrai plaisir. On refait le tuto, il paraît. Ah, si c'est là, si c'est ça la meilleure résistance de la puissance de garde de la ville de Tourouge, je pourrais bien voler toutes vos précieuses reliques. Et dire que c'est de la. Bon, en tout cas, c'est difficile à lire aujourd'hui. Si j'étais un noble avec vous, garde, je ferais dans mon front qu'en soi. Si j'étais un noble comme vous, c'est le non-respect total! Pour déplacer un héros, sélectionnez-le et dites où est-ce que tu veux qu'il aille. Je veux qu'il aille là-bas, mon gars. Paf! Protection! Par là! Là, comme ça, il faut qu'il nous contourne tout, ça va être compliqué. Stop! Au voleur! À l'aide! Este cambriolaggio! À l'aide! Stop au voleur! C'est ça tes derniers mots, mon gars! Non, mais oui, j'ai dû vraiment qu'on écrive ça dans ta tombe! Je pensais que vous, les gardes, vous visiez que pour l'honneur et le courage! Montre de quoi des gamins, les chiens de garde! Voyons voir ce qu'il y a dans le ventre! Tour du joueur! Dans Children of Zodiac, les héros abattent des cartes pour réaliser leurs actions. Les cartes du héros peuvent se trouver dans la main. Bah ben, ou dans la main, juste ici. Bon. Et alors mon gars, tu veux qu'on s'en mitoufle? Et là on lance des dés. Eh oui, on lance des dés, on lance des dés. Sur les dés, il y a des pouvoirs, des dégâts de la régène de vie. Pac! Là on voit merde, c'est de la merde ce qu'on vient d'avoir. On a deux coeurs, on a même trois coeurs. On relance, mais juste certains dés. Et voilà, on les relance. Pra, pra. Et là on regarde. Oh là là, on est rendu avec une boost des dégâts. Et là on le défonce sa gueule. Paf. Et ça nous redonne de la vie. En ce moment je pense que lui c'est le tank. Il a de la vie et il n'a pas peur de l'utiliser. Tour de l'ennemi. Alors tu vas me défoncer? Allez mon frère. Alors tu vas me défoncer? On a clairement pas peur. Et voilà, c'est mon tour. Le son est trop fort. On va baisser le son un petit brin. Foot. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Intrus, voilà en cours! On n'apprend pas aux chiens à balancer des reliques! Encore, c'est compliqué de parler comme ça. On va respirer un petit peu, puis on se reprendra plus tard. On se reprendra plus tard, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Et donc là, vue panoramique. Panoramic view, which is on the wrong side of the ball. Et là, on va même se protéger. Oh, il m'empale! Il m'empale. Bah! Grâce à ma protection, c'était beaucoup plus facile pour moi de survivre. Tour du joueur, tour 4. Je vais t'embrocher mon gars, avec des dés de bonus et tout là. Paf, pif, pouf, paf. Moins 7. On va donc relancer ce dé. Ce dé. Clac. Pif, pouf. Ah, bah ça fait pareil. Alors mon gars, je vais te taper, je suis tellement puissant. Oh, tu me rattaques. Non, elle me laisserait certainement pas faire par un petit garçon, là. Le represseur. Ah! Alors, picou dans les couilles, mon salopio. Et contre-attaque de 0 parce que je sais pas pourquoi. Tour du joueur, tour 5. Oh
Et voilà, je t'ai déglingué toi aussi. Parce que vous êtes vraiment trop faible la garde royale, hein. Ils sont faibles dans la garde royale. Et alors là, ici en haut, il y a sûrement des gens qui vont être fâchés. Ils vont être genre... Ah, mais dis donc, il y a des bichons. C'est pas correct. Tu crois que t'es un dur à cuire, hein? T'es rien qu'un voyou, reste à ta place. Ici, c'est le quartier des nobles. Tes semblables ne méritent pas de souiller ces couloirs. Garde, déployez-vous. Ne laissez pas cette ordure sortir d'ici vivant. J'aime mieux ça. Celui-là, il est arrogant et il vient de me mettre au défi. C'est clairement le genre de défi qui me titille. Il se sent titillé. Oh non! Une embuscade! Vaincre le chef de Rivienne. Hey yo, mon boy. T'es où le chef? T'es en haut, toi? Ouais, t'es en haut, mec. Clac! Pif! Pouf! On va devoir relancer certains petits dés, tu vois. Genre ça, ça. On va les relancer parce que là, c'est n'importe. Moi, c'est des dégâts! Et voilà. Et ça me redonne de la vie. Clac! Et j'ai eu une autre carte performante. Ah mec, mais pourquoi il s'est retourné? C'était loin d'être voulu là. Là il tape dans l'arrière, c'est une attaque sournoise. Là là, c'est pas correct, attends là. Je joue en difficile pour un maximum de challenge. Bon maintenant je vais capter l'attention de tout le monde. Où est cette navire? Et elle était cachée juste ici la bille. C'est elle la bille? Je sais pas. Oh c'est elle. Oh Dieu merci, vous êtes là, il y a un dragon ici, je suis tellement contente que vous soyez venu me sauver. Excusez-moi mademoiselle, vous me rappelez votre nom, attendez une minute. Est-ce que vous me venez d'entrer par la fenêtre? Ah, c'est elle, la flamme des dénés là! Bon sang, on dira bien que j'arriverai jamais à jouer les innocentes. Ok le chien, on va faire ça à ta manière. Alors une petite attaque éclair, ça te dit mon mec? Et boum, t'es mort. Ah oh, t'es mort putain. Ah oh, c'est sympa ce que je dis là. Et boum, je suis tellement forte que même toi tu sais pas je suis qui en fait. Bon. C'est pas là. Ah faut que j'aille jouer l'autre banane. Bon mec, je tombe au rocher, tu vas voir. Et voilà. Ah, c'est comme ça. Et nous voilà avec un autre attaquant brouillé. On va regarder par là pour se protéger un minimum. Ce jeu est essoufflant. Bon. On va se calmer, un peu la sournoiserie. On va y aller comme un homme vrai nous. Tout n'est que jeu et rigolade jusqu'à ce que quelqu'un se prenne un coup de couteau dans le dos, finissons-en. Ah ouais, on va le défoncer. Ouais, on le sait, dans le dos ça fait plus beau. Et paf! Une attaque dans le dos et une. Et pouf! T'es mort le juge, t'es mort! la petite rotation là, oh, on tournait. Ah, tu vas payer pour ça, justice sera faite! Il oublie qu'il était mort, bon. Ok, la bille! Pesté, tu peux te ramener maintenant! Ah, oh, peste, c'est qui ça? C'est un chien? Non, ok. C'est juste le petit faible. Oh la vache! J'ai eu peur. Mais qu'est-ce que tu fais?
On leur a fait mordre la poussière, la main décharnée du destin n'a pas été clémente avec le quartier des nobles aujourd'hui. Je suis contente que tu sois resté là, Pester. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans toi, hein. Ils auraient ouvert aucun coffre, ça c'est clair. Ça va, arrêter de faire vos gamins, vous connaissez le plan, vous deux. Vous pouvez prendre le relais. Je vais s'aimer ces restes des abrutis. Rappelle-toi, l'ami. Ils nous ont pris notre vie. Et ils ne peuvent pas nous voler ce combat. Ce combat représente qui nous sommes. Rapporte-moi cette relique. Et pendant ce temps, je m'en vais battre des gens. Victoire, on termine le moment. De la douleur de gorge aujourd'hui. On va peut-être y aller un petit peu plus tranquillement pour pas perdre ma voix non plus. Hein. Et donc, bonjour tout le monde. Et bienvenue dans le Hard Corner. Allons voir. Allons attaquer les gens qui protègent la relique. Ouais, fait que c'est ça. Y'a Pester, y'a des affaires. Bon, dépêche-toi un peu là. Il faudrait qu'on se batte pour pouvoir sauter d'ici. Je crois que Zirkov a dit que c'était la résidence du Lord Alix Pedno. Ce mec est une véritable est un véritable idiot en manière de sécurité. Un idiot général. Ok, c'est ouvert, on retourne à la décharge. Pfiou. Pourquoi ces futures reliques sont aussi lourdes? C'est quoi cette camelote en plus? Cette camelote est une relique de Zodriar qui a 8000 ans. Qui s'appelle la boussole majeure, on dit que les héros utilisaient ces objets pour voyager entre les différents mondes avant l'âge Apex. Si tu le dis, si tu le dis, ah ouais. Enfin bref, c'est ce que le boss a demandé, donc je suis contente. On l'emballe et on dégage. Et là, paf. Restez où vous êtes, bande de voleurs. Le mec a de l'air à broyer. Compte tenu de ton jeune âge, je te promets de t'épargner si tu poses ton arbre et si tu remets cette relique. Ah, ce gars, mais quel plaît, hein, ben oui, hein. On m'est déjà passé par là, Argon. Je ne me rendrai jamais aux nobles ou à leur chien de garde, hein. Tu peux vraiment, tu veux vraiment cette relique, hein? Viens la chercher. Tu as raison, flamme d'ébène. Tout comme le tigre né avec ses rayures, nous sommes nés pour remplir un rôle. Je suis le commandant de la garde et j'ai juré de défendre le peuple et les biens de Taurou. Tu es une enfant de la décharge, née dans la crasse et élevée pour être une voleuse et une meurtrière. Mais c'est une grosse brute armée, en masse, est en train de dissimuler nos troupes. Ne vous occupez pas de ces enfants. Je vais me débarrasser de la flamme des belles pour la gloire de la garde. Entendu, juge en chef. Je ne me réjouis pas de ta mort. Je ne me réjouis pas de ta mort, flamme des belles. Ah, ok, flamme des belles. Mais les règles de notre monde ont malheureusement déjà écrit ton destin. Pas de pardon pour les hors-la-loi. Garde, la flamme d'ébène tente de se faufiler dans les murs comme un rat. Parlez-lui la route. Un ami, je crois qu'on est encerclé. On va vraiment tous les combattre. On ne se rendra pas. Si c'est ça ta question, on affronte ces imbéciles. Ou sinon, tu peux toujours expliquer à Zirkov où est passée sa relique. Condition de victoire avant tous les ennemis, et on ne doit pas être vaincu. Chaque héros va au combat avec son propre deck de cartes. Blabla, on sait comment utiliser les cartes, mon gars. Et pif. Ça, c'est du soin. Et ça, c'est un gros tir. Pif. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire, moi? On va même piocher une carte. Et voilà. On veut plus de stats, c'est pas grave, c'est bon. Et voilà, tire au god. Paf. Et j'ai pioché une carte de plus. Oh là là, que ça va bien. Oh, désir de vivre. Hein? Ok, paf, pif, pouf. Ah, c'est ici.
Alors bonsoir mon gars, juste pour te dire, je vais te déglinguer ta gueule. Ah ouais? Ah ouais, tu crois ça? Ouais, je vais te déglinguer. Alors tu crois que t'es quoi toi? Moi je suis un DPS mon gars. Ouais, je suis un DPS. Et tu sais ce qu'ils font les DPS? Ils déglinguent la gueule. Ah peut-être pas. Confirmé. Ya! Oh la contre-attaque qui fait zéro, tu sais pas taper mon gars? Tu sais pas taper, t'es qu'une salope mon gars! Ah, on peut taper un autre coup? Ah, j'ai gagné une action supplémentaire et on va te déglinguer ta race! Et pour français, ça veut dire je vais te défoncer la gueule. Je vais te tuer. Tabarnak. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire je vais te tuer en tabarnak. Ah quoi, j'ai une autre action? Mais what? Mais what, brother? Je comprends pas, je pense que c'est quand je ramasse les petites étoiles. Les petites étoiles. Moi, je veux une petite étoile, tu vois. Ah non. Mais c'est pas grave, 12. Et voilà, on a déjà gagné. Ils ont même pas pu nous chuter, et voilà mon lancer de couteau. Ouais, donc c'est un jeu. Ah, on a gagné. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu fait à Montréal. Ah, il y a un bouton piocher. Au lieu de taper, on peut piocher. Et on pioche. Clac, clac. C'est bon. C'est une attaque qui fait de la protection ou quoi? Un dé de fragment. Tenir les positions dé de fragment sur soi. Mais ça fait quoi? Ça doit être du boost, je sais pas. Oui, don't give a fuck. Ouais, j'avais pu jouer à la bêta du jeu. J'avais pu jouer à la bêta du jeu. C'était pas mal. Attaque action. Confirmé, je te défonce la gueule, mon gars. Oh le mec! Oh le mec! Oh shit, j'ai pas eu d'accès en supplémentaire. Oh merde! Oh non! Retourne là-bas. Ah. Ça peut tirer plus qu'une personne. Et allez, allons-y! Et pif! Et pouf! On confirme parce que c'est du jeu. Tire au gun, tac là! Et on pioche une petite carte dans la mire. Vous croyez vraiment que vous êtes de taille contre nous, gamin? On est deux! Et on a déjà tué trois personnes! Moi, à votre place, je crisserai mon camp! Attaque à distance. Oh, l'archère! L'archère qui sait pas contre qui elle se bat! Paf! Ok, le sceptre. C'est une salope d'archère. Mais il y a donc ben le monde! C'est donc ben genre l'enfer! Ouais. Faut arrêter d'agresser ma petite femme. Ma petite femme. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure que tu le déglingues là. Ce mec. Ce mec mérite d'être déglingué! Merde! Bon, 8. Clac! Là, ce tour-ci, il va falloir que la femme elle se protège. Il me faut une étoile pour avoir une action supplémentaire. On va aller dans son dos. On va faire l'attaque éclair. On va faire clac!
Ah, j'ai l'action supplémentaire. Et là, paf! On a même eu un peu de heal. Attaque sournoise, t'es décédé, mon gars. Là, l'action supplémentaire, on va piocher des petites cartes. Des petites cartes. C'est chier. Muy importante. Oh, c'est juste du heal. Oh. Oh, c'est pas fou, ça. Allez, viens-t'en, la procureure. Mais voyons, tous les juges puis les procureurs dans ce jeu-là, c'est des gens avec des armes. La balle, elle l'a traversée ou whatever? Pas grave. Foncez dans votre... Je vais me heal. Attends, non. Je vais me heal. Clac! Quoi, ça fait du dégât? C'est quoi, ça fait du stat-up? Ah, ça heal. Ça donne pas mal d'XP. Ah merde, j'ai mal joué, hein. Et un petit set de dégâts dans la face de la procureure. Paf! Il tape pas ultra fort le shooter. C'est pas comme la petite peste. Oh, elle s'enfuit. Tire à distance. Paf! Un petit 2 de dégâts. On a beaucoup de puissance d'armure, nous, tu vois. Et là, je vois le contre-attaquer plus fort que s'il me tape. C'est genre au corps à corps, j'arrive. Paf! Coup de shotgun dans la gueule. Mais dis donc! On va piocher, mais là. Bon, dégainer, bon. Je suis désolé, gamine. Je sais que je suis habituellement quelqu'un de très courageux, mais là j'ai décidé d'en faire autrement. Tu vas devoir mourir. Gros coup de shotgun dans la gueule. Et voilà, on pioche même une petite attaque là. Tout va bien. Il me fait une attaque sournoise. Je sais pas pourquoi je baille. J'ai toujours été un éternel bailleur. Et mais je sais pas pourquoi, moi. Ah. Je t'ai déjà montré le pouvoir du dégainement. Oh, un éclair. Il fait quoi l'éclair? On va regarder. F1. Les éclairs. L'éclair peut mourir de faire une action sur votre... Oh! C'est bon. Paf! Clic! Lancez le couteau! Action supplémentaire! Je t'en lance un couteau, mon gars! Et pif! Et paf! Bonsoir et bienvenue au 27ème concessionnaire de l'automobile du Québec! Eh, le jeu est quand même beau, hein! Le jeu a une belle. A une jolie beauté, hein, vous voyez! Ah, c'est le bout de Forza Alta, t'as plus peur de rien. Tu te heal, tu claques, tu lances des choses. Ça, c'est du 14 de heal facile. Hey, par exemple, sa face est un peu laide, hein, lui. C'est pas la meilleure, la plus belle face du monde, là. Il se donne de la vie alors qu'il a toute sa vie. C'est quelque chose de raisonnable, de consensuel. Mais ce n'est pas la bonne option, je crois. Non, non. Ah.
est-ce qu'il va y avoir des attaques suprêmes? Genre des cartes spéciales où on va pouvoir se faire des decks assez olé-olé? Genre avec des genre on peut avoir des magiciens qui vont arriver, qui vont faire genre je vous donne votre énergie et tout et tout. Ou si ça se limite à des pif paf pouf paf paf. C'est ça que je me pose la question là. Et pif et paf et pouf et clac. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui peut me donner une éclair? On va juste... Attendez, F1. Moi je crois pas que j'ai d'effets spéciaux pour la carte, non c'est ça. J'ai pas d'effets spéciaux. Et là donc, paf, pif, pouf. Oh, on peut taper les anciens dés avec nos nouveaux dés! C'est fou. Alors on va faire une petite attaque sournoise. Une petite attaque sournoise des familles. Mais pourquoi on n'a jamais d'attaque avec cette pute? Salope! Tu sais pas te battre! Merde! Moi mes plans étaient révolutionnaires! Je ferais plus tuer tout le monde! Sans exception! Et là ils arrivent et pif! Et pouf! Et puis moi pendant ce temps là qu'est-ce que je fais? Je fais rien! Je fais pitié! Il a the high ground! Il a the high ground! Oh boy! Non, 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 non. Non, meurs pas, mon gars. Meurs pas, je veux pas recommencer. Si tu meurs, je te chicane. Ah, yes. Il meurt pas. Le AI est épais. Je pense que c'est le tour du heal. Aujourd'hui, on va se healer avec tous nos copains. Bon, là, il est l'heure que toi, tu te heal. Oh, merde. Attends. Paf! Il fait des heals de groupe! Parfait. J'ai tapé du gun, pis ça nous heal bien! Et là, avec Nana Moustapette, on va faire une attaque éclair! Là, arrive, plaf, pouf, pif. Il me faut une putain d'étoile. Et donc moi, je veux cette étoile, tu vois. Et j'ai l'étoile. Et pouf. Bon. En ce moment, je suis en live, Francis. Mais tu le sauras pas, mais ouais. Ouais, c'est la vérité, ouais, je suis en live. Elle a beaucoup de heal pour rien, je trouve, là. Et coup de sniper. Il est à la gauche, il est à la droite, il l'a pas perdu dans le coin. Ah, c'est Thierry. Thierry qui lance le sniper. Thierry qui tire. Thierry qui touche. Thierry qui touche avec ses dés verts. C'est des verts. Wow. Je pense que les ordinateurs ont un dévers parce que je joue en difficile, tu vois. Tac, tic, tout. Oh, 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 oh. Si. On va tirer du gun. On va relancer ça parce que Balek et plus de dégâts. Ouais, c'est difficile de faire du dégâts à ce putain de juge, mais c'est pas grave. Ha ha, ou ha ha, ou ha ha. Wow! Les gars, je sais, gars, je veux vous tuer tout le monde. Yeah, yeah, bitches, papou, yeah, tete.
Bon, je pense qu'on a perdu. Pas de heal, j'avais pas les cartes nécessaires. Je crois que je me suis fait déglinguer. En plus, avec le putain de gars aux cheveux bleus qui sait pas se battre. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il me laisse gagner là. Et voilà, un autre petit lancer de couteau. Je trouve ça vraiment con que elle ait des lancers de couteau plus forts que le gars qui tire de loin. Non! Il est mort! Est-ce qu'on... Map perdu. Tour des joueurs. Ah non, on n'a pas perdu, ok, on est correct même s'il y en a un qui meurt. Bon là j'ai gagné. Il a moui gagné. Ouais, il avait gagné, moi. Merde, je savais que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Là, il peut se placer dans le dos en autant qu'il me dit pas, tu vois pas. On a eu l'éclair, ce qui nous donne une action supplémentaire. Donc on peut rerouler ce dé. Et lui aussi. Et paf. La même chose, mais en mieux. Et pouf, mon gars. What you think you're going with me, hein? Je suis le pot du dégât. Le roi. Le chef intersidéral. Mais là, j'ai perdu. Ah, nouveau mélange. Ok. Ah, j'ai gagné. 100% j'ai gagné. Il peut plus rien faire. Vas-y, tu vois. Ah, c'est ça, tu t'enfuis, hein? Dé étoile à tous les alliés. Il se donne un dé étoile. Je crois qu'il y a quelque chose que t'as pas compris, mec. J'ai une attaque éclair, cette attaque tu ne la connaîtras pas car je suis trop puissant, je suis le roi des Zouglou. Et là paf dans les tangs, il claque. Et pif. Et pouf. Putain, j'ai pas eu l'étoile. Il s'en fait encore. Et il pioche. Car c'est ce que font les maîtres. Les maghrébins. Et voilà la mort. C'est moyen drôle hein la mort. C'est pas comique. Hein. On va relancer. Ah il est pas mort encore, mais c'est pas grave, il est pas loin. Et voilà un petit lancer de les couteaux. Pif. On a monté de niveau en plus. Nous sommes rendus niveau 3. Ou niveau 2, je sais pas. Carte améliorée, dégainée. Alors mon gars, t'arrives? Ok, il m'a pas tué, il m'a pas tué. Et lui il est mort. Parce que je le contre-attaque! Et voilà. C'était agréable. Je meurs pour la justice. Ah. Oh bon sang, j'arrive pas à croire qu'on s'en est sorti. Ta réputation commence à être mauvaise pour ma santé, Nami. Bon, séparons-nous avant que... Attends. Chien mort. Toujours mieux qu'un chien vivant, pas vrai? On peut partir maintenant. Attends. Tais-toi, quelqu'un nous observe. Ok, ça sert à rien de te cacher. Sois, sors, je t'entends respirer et tout.
C'est pas ma faute, il m'a forcé à le faire. Oh, c'est notre magicienne. On va passer parce que là, fuck, je veux pas vous spoiler tout le jeu non plus là. On a fait deux petits combats, deux petits affaires là, on n'a pas besoin de plus. Et voilà, on va faire une pause. Ah, la victoire. On va retourner à la carte monde. On a débloqué des équipements de dés, des choses comme ça. Et donc c'est ça. C'est ce que je voulais te montrer, Francis, aujourd'hui. Je sais pas si le jeu t'intéresserait ou pas. Il a l'air un peu plus mou que Mario quand même. Il a l'air moins le fun. À toi d'en juger. Je te laisse voir ça. A plus, le copain!